أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، mes chers frères et mes chères sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Quelle grande joie, quel grand bonheur, quel grand plaisir également de vous retrouver et puis de se retrouver, mashallah, tous ensemble durant ce confinement. On va essayer de joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai que ça n'est pas évident pour certains de vivre cette épreuve du confinement où tout est arrêté, tout est bloqué. Mais alhamdoulilah, Allah nous permet de maintenir notre foi, de la fortifier. C'est le but justement de ces lives avec moi, avec Samah. Donc il est important de renouveler son intention à chaque fois, de se dire que c'est vrai que ces rappels sont bénéfiques, mais ils doivent aussi être bénéfiques à long terme. Voilà, on essaye de mettre, Inch'Allah, l'intention, qu'elle soit sincère, uniquement pour Allah Azza wa Jal, qu'on écoute avec son cœur pour essayer d'être meilleur qu'hier. Et comme je dis très souvent, l'union fait la force, et ensemble, bi'idhnillah, nous allons, je vois vos petits messages, mashallah, et ensemble, bi'idhnillah, nous allons nous réunir pour nous unir. Donc, c'est vrai que c'est une épreuve mondiale, mais les croyants, les véritables croyants, sont toujours forts et veulent toujours le meilleur et se remettent toujours en question. Alors, l'épreuve, le confinement, la communauté, les familles, essayez de rapprocher vos enfants également, vos conjoints, essayez de partager le plus possible ce rappel. Donc, je répète, ce sont des lives tous les jours à 15h, du lundi au dimanche. C'est vraiment une grâce divine. Et donc il y aura un thème à chaque fois. Alors on a commencé par expliquer un petit peu l'épreuve du coronavirus et on a essayé par la suite de renouer avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est une miséricorde. Il faut que cette épreuve, justement, on en ressort fort. Il est important de refaire le nœud de la corde avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on enchaîne, bi'idhnillah, avec Surat al-Fatiha. Alors, hier, c'est vrai qu'il y a eu un bug, il y a eu des incidents. On reprend aujourd'hui, Inch'Allah, le début de la Fatiha. Alors, c'est voulu de ma part de qu'on puisse méditer ensemble Surat al-Fatiha. Pourquoi ? Parce que, donc, comme je vous ai expliqué, on est en pleine épreuve. Et Surat al-Fatiha est un moyen de guérison, on va le développer, Inch'Allah, une guérison spirituelle, une guérison pour le corps et une guérison pour l'âme. Et c'est aussi un moyen de parfaire sa prière. Inch'Allah, ça sera un thème qui sera traité durant ces lives. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah, s'il vous plaît, à me proposer des thèmes que vous voulez aborder. Et puis laissez, s'il vous plaît, vos questions tout à la fin quand j'ai fini. D'accord ? Parce que tous les jours, il y a 1000 commentaires qui passent. Je ne peux pas remonter jusqu'en haut. Donc laissez-les tout à la fin, vos questions, voire un message privé si c'est vraiment des situations où il va falloir développer, détailler, etc. Même vos questions, que ce soit d'ordre juridique ou autre, n'hésitez pas à me les poser sur Messenger. J'ai un Messenger, donc j'ai pas mal répondu, machin-là, à des questions. Il y a des questions auxquelles je préfère écouter les personnes. Il y a des questions où je vais y revenir. Inch'Allah, j'ai bien vu vos messages, je n'y manquerai pas parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Bi'idhnillah, je répondrai à tout le monde. Tout le monde mérite sa réponse et tout le monde doit profiter justement de ce rappel avant tout. Alors, Surat al-Fatiha, donc celle qui ouvre, donc on l'appelle aussi l'ouverture, on l'a traduit par l'ouverture. J'espère qu'elle sera une ouverture du cœur, une ouverture pour notre âme, une ouverture pour notre esprit, et ça sera un moyen de guérison aussi par rapport à ce qui se passe actuellement.
Donc ne pas hésiter justement à se soigner avec Sourate al-Fatiha. On va développer, vous allez comprendre inch'Allah pas mal de choses. C'est une guérison, comme je vous ai dit, pour le corps, pour le cœur et pour l'âme. Alors Sourate al-Fatiha, on lui a donné différents noms. Alors il y a Irtilef sur le nombre de noms. L'essentiel c'est de savoir qu'elle a plusieurs noms. D'accord. Combien il y en a, bon, c'est pas le plus important, mais de savoir que on lui a donné des noms bien spécifiques concernant notre épreuve. On l'appelle aussi Ash-Shafiya, celle qui guérit, celle qui soigne. On l'appelle Ummul Qur'an, la maman du Qur'an, la maman justement de ce livre noble et sacré. On l'appelle aussi Sourate al-Hamd, la sourate de l'admiration, des louanges d'Allah Azza wa Jal. Sourate al-Fatiha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, alors sachez, petite parenthèse, que ceux qui n'ont pas Facebook mais qui ont Instagram, ça sera enregistré et diffusé aussi sur Insta, d'Arifton et compagnie. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, par celui qui détient mon âme, rien n'a été révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes ou dans Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran, de semblable à elle, donc Sourate al-Fatiha, et elle est les sept versets qui se répètent, et elle est le Coran magnifique qu'on m'a révélé. La beauté des paroles du prophète alayhi salatu wassalam pour nous dire que cette sourate est unique, merveilleuse et magnifique. Je reprends, par celui qui détient mon âme, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam va jurer. Et si vous remarquez bien dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive de temps en temps où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jure, mais pas régulièrement. Pour ce cadeau qu'Allah nous a offert, pour Sourate al-Fatiha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va jurer et il dit, par celui qui détient mon âme, rien n'a été révélé dans la Torah, l'Évangile, les psaumes ou le Furqan de semblable à elle. Cette sourate, elle est unique. Cette sourate, elle regroupe tous les livres sacrés révélés par Allah. Et subhanallah, elle résume aussi tout le Coran. Et dans tout le Coran, cette sourate va se résumer en un seul verset. Et on y reviendra, inshallah. Ce sera dans « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Donc, elle est les sept versets qui se répète, et le Coran magnifique qu'on m'a révélé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui a révélé cette sourate dans des conditions bien particulières alors qu'il se trouvait chez lui. Et il y avait, subhanallah, à côté de lui, Jibril, alayhi salatu wassalam. À un moment donné, alors qu'ils étaient assis, d'un coup, le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que Jibril entendent un bruit. Jibril va parler et dire à Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ce bruit provient d'une porte qui vient de s'ouvrir ou dans le ciel. Cette porte ne s'est jamais ouverte auparavant. Subhanallah, des siècles avant, des millénaires avant, cette porte ne s'est jamais ouverte. Donc le Fatiha, le bab yuftah, la porte s'ouvre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle s'ouvre à sa communauté, et subhanallah, qui va descendre un ange. Donc, puis descend un ange et Jibril dit, cet ange n'est jamais descendu auparavant, et il est descendu uniquement ce jour. L'ange va demander, subhanallah, la permission d'entrer chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on lui accorde cette permission. Il entre et il dit au prophète alayhi salatu wa sallam, après l'avoir salué, regardez, subhanallah, l'adab avec le Coran. Regardez quand cette sourate va être révélée, la manière dont elle va être révélée, avec le respect, avec l'art. On n'entre pas comme ça, subhanallah, chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on n'entre pas aussi comme ça dans la prière, comme on n'entre pas comme ça quand on lit le Coran. Et cet ange va dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ebshir, je t'annonce la bonne nouvelle de deux lumières qui te sont offertes.
et qu'aucun prophète n'a reçu avant toi. Al-Fatiha est les derniers versets d'Al-Baqara. Chaque lettre qui sera lue te vaudra une récompense. Allahu Akbar. Je répète, je t'annonce la bonne nouvelle. Donc, Surat Al-Fatiha est une bonne nouvelle pour toute la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont deux lumières qu'Allah va offrir. Donc, la lumière est censée éclairer. La lumière est censée apaiser. La lumière est censée nous montrer aussi le droit chemin. La lumière est censée nous apaiser et surtout fassalat dans la prière, puisque c'est une sourate qu'on récite quotidiennement, dès qu'on se lève le matin jusqu'au soir dans nos prières, dans nos cinq prières. Et en dehors des cinq prières obligatoires, il y a les prières facultatives. Même dans ces prières-là, cette sourate est récitée. Ce sont deux lumières qui te sont offertes, deux cadeaux. Personne, aucun autre prophète avant toi n'a reçu ce cadeau. Donc vous voyez que c'est un cadeau d'Allah Azzawajal qui nous vient du ciel. Donc il y a Al-Fatiha et les derniers versets de Sourate Al-Baqara à partir de Amana ar-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Sache pardon, que chaque lettre qui sera lue sera une récompense. Donc vous voyez, subhanallah, que du fait de réciter Sourate Al-Fatiha, qui est une lumière, donc on illumine son âme, on illumine notre prière, puisque le prophète alayhi salatu salam nous dit as-salatu nur, la prière est une lumière. On illumine notre quotidien, et le fait de réciter subhanallah cette sourate, chaque lettre va être un bien pour nous. À chaque fois qu'on va réciter, même pour se soigner, puisqu'on l'appelle le chef et celle qui guérit, chaque lettre qu'on va réciter dans un verre d'eau ou dans une bouteille d'eau, justement, on est dans des conditions où on doit réciter Surat al-Fatiha dans l'eau pour pouvoir se soigner par rapport à ce virus qui s'est propagé. Donc le premier recours, le premier traitement spirituel, c'est d'avoir recours à Surat al-Fatiha pour se soigner, pour guérir nos malades. Donc chaque lettre sera un bien, chaque lettre sera un cadeau de la part d'Allah, dès qu'on récitera pour nous, donc dans notre quotidien, mais aussi pour se soigner, ça sera, subhanallah, une lumière et une guérison. Alors dans Surat al-Fatiha, il y a eu ikhtilaf concernant le nombre des versets par rapport à al-basmala, bismillahir rahmanir rahim, et c'est ce qu'on va, inshallah, étudier aujourd'hui. Certains savants pensent que Al-Basmala, donc Bismillahir Rahmanir Rahim, fait partie de cette sourate, et d'autres pensent que non. Mais l'avis le plus vraisemblable est que Al-Basmala fait partie de Sourate Al-Fatiha, et le prophète alayhi salatu salam dit As-Sab'ul Mathani, les sept versets qui se répètent. On doit considérer Al-Basmala, donc Bismillahir Rahmanir Rahim, comme étant une bénédiction d'Allah. Une bénédiction, en arabe on dit al-baraka. C'est une baraka d'Allah qui signifie un khir, un bien, mais un bien qui dure. C'est ça al-baraka. Quand on dit Allahumma barak, qu'Allah fasse que le bien qu'il t'a accordé dure dans le temps. Quand on souhaite aussi les bénédictions à un nouveau couple, on leur souhaite Al-Baraka, qu'Allah bénisse donc leur union et qu'Allah fasse que le khir d'Allah descende sur eux et que ce khir dure dans le temps. Al-Basmala signifie quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim, quand on traduit le sens, ça signifie avec le nom d'Allah et non pas au nom d'Allah, mais avec le nom d'Allah, par le nom d'Allah, grâce au nom d'Allah, l'infiniment, l'extrêmement miséricordieux dans son être, mais aussi l'infiniment, l'extrêmement miséricordieux dans ses actes. Bismillah, avec le nom d'Allah, Ar-Rahman, l'infiniment miséricordieux dans son être, Ar-Rahim, l'infiniment miséricordieux dans ses actes. Et subhanallah, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, eh bien, cela témoigne de notre comportement respectueux vis-à-vis de Sa Majesté Allah. On entre avec respect
on s'entretient avec respect vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Donc il est important avant de commencer à lire sourate al-Fatiha et puis ajouter une autre sourate dans salat ou de réciter le Coran, de dire Bismillahir Rahman Rahim, j'entre en relation avec Malik al-Muluk, le roi des rois. J'entre en relation avec celui qui m'a créé. Je suis, Ya Allah, en ta compagnie. Grâce à toi, je suis en ta compagnie. Je viens à toi grâce à toi et non pas parce que j'ai décidé, j'avais envie de venir vers toi. Je viens à toi et auprès de toi et uniquement auprès de toi car j'ai besoin de toi. C'est toi qui m'as créé et je viens à toi parce que tu es doux et miséricordieux. On ne se jette pas auprès d'Allah. Quand, même quand on fait dua, une invocation, on se doit de faire l'éloge d'Allah. On se doit de faire du dhikr, tout ce qui mentionne Allah, tout ce qui le glorifie, tout ce qui va parler de son admiration, évoquer son admiration, on le mentionne avant notre demande. C'est une forme de respect vis-à-vis de notre Seigneur. Je viens à toi avec humilité. Et ça, c'est ce qui nous manque beaucoup, subhanallah, dans notre quotidien, dans nos relations, que ce soit notre relation avec notre Seigneur, que ce soit nos relations avec l'autre. L'humilité, subhanallah. Et ça, on va y revenir un petit peu dans Ar-Rahma. Ar-Rahma, quelqu'un qui a un cœur plein de Rahma, c'est quelqu'un qui a un cœur plein d'humilité. En évoquant cette basmala, on témoigne de l'unicité d'Allah. On témoigne de cette unicité en disant « Ya Allah, c'est uniquement grâce à toi. Et je viens uniquement vers toi, l'unique. Et je viens à toi car je sais qui tu es. Tu es Ar-Rahman et tu es Ar-Rahim, l'unique dans la miséricorde, dans son être et dans ses actes. Bismillah, donc par ton nom, je vais parler. Par ton nom, je vais te mentionner. » Par ton nom, je vais faire l'éloge de ta majesté et par ton nom, je m'entretiens avec toi. Voilà le sens de Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim al-Basmala. Et il est important aussi de comprendre que signifie Allah. Aliha, de la racine, donc Allah, Aliha signifie s'attacher. Je m'attache à Allah, je m'attache à sa majesté, je m'attache à l'unique qui m'a créé. Et il y a aussi en arabe Elouha, c'est-à-dire qui est adoré. Donc on s'attache à celui qui mérite d'être adoré, d'où le sens de La ilaha illallah. La ilaha, il n'y a point de divinité, il n'y a rien dans cet univers qui mérite d'être adoré, d'accord? Seul Allah, illallah, mérite d'être adoré. Voilà le sens de la ilaha illallah, seul Allah mérite d'être adoré. Allah est un nom entier, hein, on ne peut pas dire elle est plus loin, voilà, on ne peut pas dissocier, c'est elle, Allah, c'est Allah. Et on dit par exemple, Ya Allah, l'être au-dessus de tout. Allah, c'est celui qui est au-dessus de tout. Et ce nom Ar-Rahman, il est uniquement mentionné que pour Allah Azza wa Jal. Même les Arabes à l'époque de la Mecque, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne connaissaient pas ce que signifiait Ar-Rahman. Ils ne l'ont jamais évoqué, entendu. C'était quelque chose de nouveau, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Furqan, le verset 60, « Wa idha qila lahum usjudu lir-Rahmani qalu wa mar-Rahman » Lorsqu'Allah Azza wa Jal leur demande de se prosterner, lorsqu'on leur demande de se prosterner au tout miséricordieux, ils disent « Mais qui est Ar-Rahman ?» Donc c'était un nom méconnu à l'époque, pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur, subhanallah. Il pouvait dire Al-Aliha, les dieux, mais il ne connaissait pas Ar-Rahman, puisque c'était propre à Allah Azza wa Jal. Et là, on voit l'unicité de notre Seigneur. Ce nom Ar-Rahman, on ne peut pas dire à quelqu'un, par exemple, qu'il est Ar-Rahman. On peut dire très bien qu'il est Rahim, mais jamais on dit quelqu'un il est Rahman. Donc ça signifie quoi? Qu'Allah est tout miséricordieux, infiniment bon, infiniment généreux, infiniment majestueux.
concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit bil mu'minina raoufun rahim. Avec les croyants, en parlant de Rasulullah, il est bienveillant et plein de grâce dans son comportement. Donc quand on parle de quelqu'un, on peut dire qu'il est rahim, mais on ne peut jamais dire qu'il est rahman, puisque c'est propre à Allah azza wa jal. Et puis même dans sourate Ar-Rahman, Allah nous dit Ar-Rahmanu a'allama al-Qur'an. Donc sourate Ar-Rahman, Allah s'est attribué cette sourate, et j'espère qu'on aura l'occasion de faire le tafsir de cette sourate qui est magnifique, les débuts, hein, mashallah. Ar-Rahmanu a'allama al-Qur'an khalaqa al-insan. L'infiniment miséricordieux a enseigné le Coran avant même de créer l'homme. C'est pour vous témoigner de la valeur du Coran. Il a enseigné aux anges le Coran avant même de créer l'être humain. Alors où est-ce qu'on en est avec le Coran? Où est-ce qu'on en est durant cette épreuve qui est l'épreuve du corona, l'épreuve que j'appelle l'épreuve de la remise en question, de la réforme de soi, d'accord? On va essayer justement de profiter de cette occasion pour donner le meilleur de soi. D'accord. Donc, on a tous fait des erreurs dans la vie. On commet tous des péchés de manière volontaire ou involontaire. L'essentiel, c'est de ne pas se dire « Aïe, j'ai commis !» mais de se dire « Où est-ce que j'en suis dans mon repentir ? Est-ce que je me suis lavé ? Est-ce que j'ai pris une douche ?» La douche, c'est quoi ? C'est de dire « Astaghfirullah », de reconnaître déjà qu'on a fauté, qu'on a fait des erreurs, de reconnaître que... on doit revenir vers Allah Azza wa Jal. Et puis de procéder à l'istighfar, c'est-à-dire de demander à Allah pardon. On dit astaghfirullah, astaghfirullah avec une sincérité, c'est-à-dire Allah, je n'ai pas envie de recommencer, aide-moi à ne pas recommencer. Et puis, subhanallah, l'istighfar, c'est pas uniquement au niveau des actes d'adoration. Salat, j'ai pas fait ma prière à l'heure, je l'ai pas fait correctement, etc. Mais c'est par rapport aussi à nos défauts. On a tous des défauts, on doit se corriger. Il n'est pas concevable aujourd'hui, en tant que croyant, véritable croyant, de dire « je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser ». Je ne peux pas, je dois être juste envers moi-même. J'ai été créé pour être juste envers moi-même. Allah le dit « وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » Nous leur avons fait aucun tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Donc c'est quoi le tort? C'est de ne pas être sur le droit chemin. Je dois être là où Allah m'a demandé d'être. Je dois me réformer au niveau de mes relations avec mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Au niveau de la famille au sens plus large, au niveau aussi de mon conjoint, au niveau de mes enfants, au niveau de la communauté, au niveau de mon voisin, au niveau de mes actes d'adoration, au niveau de mes paroles, au niveau de mes gestes, au niveau de mes pensées, au niveau de mes intentions. On se doit de se réformer. D'accord ? Donc il est important, on y reviendra inch'Allah j'espère dans Sourate Al-Kahf, hein, puisque demain vendredi, bi'idhnillah, on étudiera et à chaque vendredi cette lumière donc, qui est Sourate Al-Kahf et tirer des enseignements de Sourate Al-Kahf qui sont très, très, très nécessaires pour la vie du quotidien. Ar-Rahman, vous avez vu la valeur de ce nom, est encore plus fort, subhanallah, que Ar-Rahim dans le combien et dans le comment. Puisque dans le combien, la rahma d'Allah n'a pas de limite. Allah a dit « Inna rahmati wasi'at kulla shay » et ma rahma enveloppe toute chose. Wasi'at, c'est qu'elle enveloppe toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle embrasse toute chose. La rahma d'Allah, elle descend sur moi, elle descend sur tout ce qui m'entoure, elle descend dans cet univers. Elle descend aussi sur mes défauts, elle descend sur mon âme, elle descend sur mes péchés. Elle est plus importante et au-dessus de tout. Donc, n'oubliez jamais que la rahma d'Allah est plus fort que tout, plus fort que sa colère. Dans le premier live, on a parlé du corona, mais on a parlé également de la rahma d'Allah. N'oubliez jamais, on peut se tromper, on peut commettre des erreurs, on peut commettre des péchés, mais la rahma d'Allah nous attend, elle est juste là autour de nous. Allah a dit « Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum » et il est avec vous où que vous soyez. Il
il faut l'intégrer, il faut l'accepter, il faut que ça soit ancré en nous, comme j'aimerais que cette sourate soit ancrée en nous à chaque fois qu'on priera. Et puis partagez le live, bismillah, partagez le live, ça vous fera des hassanat, ce sont des bonnes actions, vous invitez les gens à se réformer, vous savez c'est des maillons comme ça qui se créent, chacun doit être un maillon positif, un maillon fort avec les autres, et partagez, tout le monde aura des hassanat. Donc, la clémence d'Allah, elle descend sur qui? Elle descend sur tout. Même les non-croyants, Allah les a comblés de sa clémence. Puisque c'est Allah, par sa clémence, qui les fait vivre. C'est lui qui les nourrit, c'est lui qui reprend l'âme quand tout le monde dort. L'âme du croyant, l'âme du non-croyant. Et il la redonne aux croyants et aux non-croyants. Allah est miséricordieux avec tout. Même les membres de notre famille, tout le monde, même ceux avec qui on ne s'entend pas, Allah s'est montré miséricordieux envers eux. C'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on jugera les autres avec rahma. Et ça, je veux qu'on l'intègre, subhanallah. De ne pas être des juges, des critiqueurs, d'accord? De regarder toujours ce qui ne va pas chez les autres, les défauts, ou de s'auto-détruire en regardant que c'est ses propres défauts, avoir de la rahma envers les autres et avoir aussi de la rahma envers son âme. Notre âme est une amana, notre âme est un dépôt de confiance. Allah nous a demandé d'en prendre soin. Allah, quand il nous a créé, nous a dit qu'on soit une rahma, soit un véritable croyant, soit un musulman soumis, soit un modèle, soit dans le pardon, soit dans la générosité, soit dans l'action, soit dans le partage. Cette conférence, pardon, ce live ou ce rappel, c'est un partage avec tout le monde. Tous ensemble, on doit se réunir pour s'unir. D'accord? Donc vous avez vu, subhanallah, avec la mondialisation, comment chaque pays était dans l'égoïsme. Et puis, subhanallah, regardez durant ce confinement, comment les gens se sont précipités vers la nourriture, comment ils se sont... D'accord. Mais c'est mon âme d'abord que je dois sauver, et je dois faire preuve d'humilité dans cette épreuve. Alors de faire ses courses et de faire ses provisions, c'est bien, c'est pas un mal. Mais Allah nous dit « Wa khayru zadi at-taqwa ». Et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah Azzawajal. Comment cette rahma est universelle, comment cette rahma elle est magnifique, c'est qu'elle répond aussi aux besoins de chacun. Allah nous couvre par sa protection, il nous protège, il nous offre sa subsistance, on est en bonne santé, on peut invoquer, on a la foi, c'est une rahma aussi d'avoir la foi. C'est le plus beau cadeau. De dire « La ilaha illallah ». De commencer sa vie avec « La ilaha illallah ». Il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours encore monter dans le train, même s'il est parti. Tu peux toujours à la prochaine station monter dans le train. Le train de la vie, le train de « La ilaha illallah », le train de mon âme, l'âme que je dois réformer. Et puis le train aussi communautaire, le train où je dois monter avec les autres. Je ne dois pas faire preuve d'égoïsme mes défauts, mon ego prend le dessus, mais je dois être dans le partage, subhanallah. Partageons le pardon, partageons la joie, partageons le bonheur de vivre, partageons la rahmat d'Allah azawajal. Et Allah, il est ar-Rahim, puisque il est, on dit, certains savants, qu'il est Rahim al-Akhira. Il est miséricordieux pour l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah a fait descendre donc sur terre une seule rahma sur 100. Allah possède 100 rahmat. Il en a fait descendre qu'une sur terre. Et regardez, subhanallah, comment cette épreuve, elle est venue avec douceur et rahma. Même, subhanallah, ceux qui nous ont quittés. Allahumma arhamhum, Allahumma aafihim, Allahumma nawwir qabrahum, Allahumma urzuqhum al-fardaws al-a'la. Même ceux qui nous ont quittés par cette épreuve, les croyants, ils ont bénéficié du cadeau du martyr. Allahu Akbar. Chacun est gagnant dans cette épreuve. Il faut qu'il y ait un accord gagnant-gagnant. Et nous, on est gagnants, subhanallah, puisqu'Allah nous fait encore le rappel. Mais le châtiment n'est pas descendu comme il est descendu aux peuples qui nous ont précédés. Dans ces deux noms, il y a la rahma d'Allah. Allah va insister comme s'il nous disait,
avec mon nom, grâce à mon nom. Tu rentres en relation avec moi, mais je suis miséricorde, alors sois miséricorde aussi pour ceux qui t'entourent. Qu'est-ce que ça signifie Ar-Rahma? Ar-Rahma, il faut le comprendre, subhanallah, quand on dit quelqu'un il est Rahim, ça signifie Riqqatul Qalb, Qalbuhu Raqiq. Qalbuhu Raqiq, le croyant qui a un cœur Rahim, c'est un croyant qui a un cœur tendre, un cœur sensible, un cœur affectueux et bienveillant et doux, un cœur juste, un cœur qui se soucie de l'autre avant soi. C'est un cœur qui est dans l'humilité. C'est un cœur, subhanallah, qui n'attend rien en retour. Et aujourd'hui, on est dans cet état où on attend toujours quelque chose en retour. On se doit d'agir de manière sincère et volontaire pour Allah Azza wa Jal. Un cœur rahim, ar-rahma signifie agir avec ihsan. Ça signifie quoi? Agir comme si Allah me voyait. Et Allah me voit avec miséricorde, il me voit avec douceur, il est plein de miséricorde, il est très proche de moi. Donc, huwa huwa ma'akum ayna ma kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. S'il vous plaît, adoptez ce verset, intégrez-le, il faut qu'il soit ancré en vous. Comme avec Moussa alayhi salatu wassalam et Haroun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous deux, je vous entends, je vous écoute et je vous vois. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Et on devrait, subhanallah, adopter aussi ce verset, on doit l'intégrer et l'ancrer dans les relations de couple. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Pour éviter justement de dépasser les limites d'Allah. Innani ma'akuma asma'u wa ara, pour aussi s'encourager et se concurrencer dans le bien. Innani ma'akuma asma'u wa ara, je suis avec vous deux. Je vous entends parfaitement et je vous vois parfaitement. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Le croyant, il est aussi dans la rahma, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Ar-Rahimoun yarhamhum ar-Rahman ». Ceux qui se montrent miséricordieux envers les autres, Allah se montrera miséricordieux envers eux. Donc la rahma appelle la rahma. « Nourun ala nour », lumière sur lumière. Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Irhamu man fil ard, yarhamukum man fil sama ». Témoignez de votre miséricorde auprès de ceux qui sont sur terre et je serai une miséricorde pour vous. Je vous offrirai ma miséricorde pour ceux qui donnent de leur miséricorde. Man signifie tout le monde, donc le croyant comme le non-croyant. Les animaux, la faune, la flore, ayez de la rahma, de la compassion envers les autres. Allah Azza wa Jal, quand il se montre miséricordieux, subhanallah, donc il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, sa rahma, c'est le fait de considérer, d'honorer sa créature, d'honorer l'être humain. Et surtout, la rahma d'Allah, elle est privée, c'est un privilège quand elle touche le croyant. Ar-Rahimun, yarhamhum ar-Rahman, Allah considère et honore le croyant. Sa rahma, elle est excellente et c'est l'excellence d'Allah qui descend sur les gens et surtout qui descend sur le croyant. Alors cette bismillah, bismillahir rahmanir rahim, elle est importante puisqu'on la récite, subhanallah, en mangeant, bismillah, en buvant, en sortant, bismillah tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, bismillah, c'est grâce à Allah que je vais sortir. Tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. Donc vous voyez, quand on sort, on dit bismillah. Quand on rentre aussi, il est important de dire bismillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah, pour éviter que shaitan rentre. Il y a aussi un moment où on dit bismillah en s'allongeant. Bismillah wada'atu janbi, donc on pose son corps
on tourne notre corps vers la droite et on dit Bismillah et puis l'invocation qui va avec. On dit aussi Bismillah dans les relations intimes. Donc, quand un couple souhaite avoir une relation sexuelle, il se doit de dire Bismillah les deux, homme et femme, avant la relation. Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana. Bismillah, avec le nom d'Allah. Vous voyez que cette relation intime, c'est un acte d'adoration. C'est un acte qui se fait avec la grâce d'Allah. Bismillah, avec le nom d'Allah. Bismillah, Allahumma jannibna shaytan. Seigneur, éloigne de nous shaytan. Donc c'est important, subhanallah, de se protéger contre shaytan. Le couple doit se protéger dans cette relation intime contre shaytan. Parce que parfois, vous savez, on peut tomber dans des déviances, on peut chavirer vers la relation interdite. Et puis, Shaitan est là parce que il faut comprendre une sagesse. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous savez, subhanallah, au niveau des relations intimes, parfois l'épouse n'a pas envie, parfois l'époux n'a pas envie. J'ai des messages, hein, subhanallah, j'ai des témoignages. Ça peut être les deux. Hein. Ce n'est pas souvent la femme, ce n'est pas vrai. Il y a aussi l'homme parfois qui ne veut pas. Même si ça reste un grand besoin de l'homme. J'aimerais faire juste une petite parenthèse. Si vous voulez, messieurs, mes frères, que votre épouse réponde à votre attente, qui est un besoin légitime, puisque ça fait partie de vos grands cinq besoins en tant qu'homme, il va falloir aussi ne pas négliger les préliminaires, s'il vous plaît. Donc les préliminaires, c'est quoi? On peut tout y mettre. Hein. Pour une femme, vous avez débarrassé la table. Vous l'avez aidé dans l'éducation des enfants, vous avez aidé au bain, vous avez aidé aux devoirs, vous vous êtes approché d'elle physiquement, vous l'avez embrassé, le toucher, une discussion, subhanallah. Même discuter parce que c'est son besoin à elle de communiquer, eh bien elle sera tout oui pour vous. Donc il faut savoir ce qu'on veut. La femme fonctionne au diesel, l'homme fonctionne à l'essence. Pour qu'elle puisse répondre à ce besoin, il va falloir la préparer. C'est comme ça, on est comme ça, nous les femmes, on doit être en condition. Vous devez nous mettre en condition pour apprécier cet acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Ce sont des hasanats que vous allez avoir, mais ensemble. Vous ne pouvez pas combler un besoin de manière machinale parce que vous répondez à un besoin du corps. Et c'est tout à fait légitime, hein. C'est dans votre intérêt. Mais c'est aussi dans l'intérêt des deux, de répondre aussi aux besoins de la femme. Et ça, on le connaît, on ne le sait pas. Et ça, on le voit, Inch'Allah, en formation, comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme au niveau de la sexualité. Il est important de répondre, même un appel dans la journée ou avant de rentrer. Salam alaikum, ma chérie, salam alaikum, mon amour. Comment tu vas? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Elle reprend de la force et de l'énergie. Et puis vous rentrez, assalamu alaikum, avec le sourire, subhanallah, et vous l'aidez au niveau des tâches ménagères, puisqu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quelque chose de normal chez les compagnons de répondre aux tâches ménagères, eux-mêmes contribuaient. Donc il est nécessaire, subhanallah, d'honorer cet acte d'adoration par la grâce d'Allah. Il y a, vous voyez que le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nous accompagne au quotidien et quand on va réciter le Coran dans Surat al-Fatiha, cela doit nous accompagner. Cette Bismillah, on la retrouve aussi dans Surat al-Naml avec l'histoire de Bilqis et Sulayman alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans le verset 29, 30 et 31, قالت en parlant de la reine Belqis, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Des versets d'une beauté. Déjà, cette reine, mashallah, elle est belle et elle prononce, subhanallah, des paroles magnifiques. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, dans tout le Coran, il y a une seule sourate où il n'y a pas le basmala, sourate al-Tawbah, sourate al-Bara'a. Voilà, vous allez trouver Bara'a ou Tawbah, on dit les deux. Et puis, on va trouver, subhanallah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans sourate al-Naml. Les fourmis.
J'espère avoir l'occasion à travers ces lives de vous raconter un petit peu l'histoire de la reine Belkis avec Souleymane. C'est magnifique. On en tire des leçons de vie, des leçons pour nous, pour la communauté, des belles leçons, subhanallah. قالت يا أيها الملأ. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit mes conseillers. Elle va vers ses hommes et elle dit il m'est parvenu un noble message et il est certes de Souleymane et il est au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ne désobéissez pas à mon ordre et venez à moi soumis. Qui a envoyé le message? C'est le roi Souleymane. Alors, pour expliquer ce verset, on est obligé de revenir un petit peu aux conditions de cette histoire. Il faut savoir une chose, c'est que le roi Souleymane était roi, mais était aussi prophète. Et il avait invoqué Allah de lui accorder un royaume que seul lui détiendra et personne d'autre n'aura de royaume semblable au sien après lui. Dans son royaume, il y avait sous ses ordres, donc les animaux, les êtres humains et les djinns aussi. Les djinns craignaient énormément Souleymane puisqu'il était intransigeant avec eux. Et un jour, alors que, comme d'habitude, chaque matin, Souleymane revoyait son armée et il s'est aperçu, subhanallah, que en comptant, en vérifiant les membres, chacun des membres de son armée, qu'il y manquait el-hudhud, la huppe. Donc là, c'est pour vous dire, subhanallah, aussi, quelque part, que Souleymane avait le souci de son royaume. Il n'était pas que assis. Il était debout, il était chef, il était leader, et il avait le souci de son royaume. Et il s'est aperçu qu'un membre du royaume, je dis bien un membre parce que ça fait vraiment communauté, qu'est l'oiseau. Il faut le faire, mashallah, c'est Allahu Akbar. C'est juste, mashallah, c'est juste waouh. El Hudhud manque. Donc, il s'est fâché, il était en colère. Le Hudhud revient et lui dit, mon roi, en voyageant, en parcourant la terre, puisqu'il était à la recherche d'endroits où il y avait de l'eau, je me suis aperçu que au Yémen, à Saba, il y avait un royaume et dans ce royaume, c'était une reine qui les gouvernait. Inch'Allah, c'est magnifique, hein, un oiseau qui se dit, tiens, c'est une femme qui gouverne. Mais au-delà d'une femme qui gouverne, il lui dit, ce peuple, subhanallah, il adore le soleil. Et Souleymane n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient égarés. Shaitan justement les a égarés, ils se sont mis à adorer le soleil. Et ils adoraient quand le soleil? Ils adoraient au premier rayon du soleil, au lever du soleil. Ils se levaient, subhanallah, et ils se mettaient à adorer, à se prosterner au soleil. Je les ai trouvés se soumettre au soleil, se prosterner au soleil. Alors Souleymane décide d'envoyer un message à cette reine à travers donc cette huppe, cet oiseau, et il va lui écrire ce message: Innahu min Souleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Souleyman, il se présente à elle. Comme nous on se présente à Allah Azza wa Jal fi salat ou quand on récite le Coran, bismillah, on se présente. D'accord? On n'entre pas comme ça. C'est pas Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil. Non. On se présente. Il y a la révérence. Donc, Innahu min Souleymane. Elle savait de qui venait ce message. Pourquoi ce message? Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Le contenu était très clair. Il est certes de Souleymane et il est au nom, avec le nom d'Allah ar-Rahman ar-Rahim. Et il va. Donc envoyer son message, la cause de ce message, Alla ta'alu alayya, c'est-à-dire ne désobéissez pas à mon ordre, wa'touni muslimin, et venez à moi soumis à Allah azza wa jalla.
La suite de l'histoire, elle est magnifique. Je ne peux pas vous la raconter entièrement. Pour ceux qui s'impatientent, vous trouverez en tapant sur YouTube. Bon, je ne l'ai pas intégré dans ma chaîne, mais vous trouverez « Le bonheur vient de l'intérieur ». Je l'ai intitulé comme ça, subhanallah, les enseignements de la reine de Saba. « Le bonheur vient de l'intérieur ». J'ai essayé de donner le plus possible d'enseignements, même si je pouvais en donner beaucoup plus, qu'Allah me permette d'en donner, inch'Allah, beaucoup plus. Mais c'était vraiment un régal, cette histoire. Et subhanallah, donc, elle est intriguée par ce message, cette reine, elle reçoit ce message. « Innahu min Sulayman, wa innahu bismillahir rahman ar-rahim, an la ta'alu alayya wa atouni muslimin. » Que fait le Hudhud avant de lire ce message? Il a été stratège, une bonne stratégie. Il s'est dit, je vais me mettre à la fenêtre et au moment où elle se réveille pour adorer, je lâche le message. Alors cette reine, elle s'affole parce que la porte de sa chambre est fermée. Et puis elle reçoit ce bout de papier dans sa chambre, elle se dit, mais il vient d'où? Et personne n'est entré, et la taille d'un oiseau, c'est pas la taille d'un être humain. Elle lit le message, alors elle vient de se réveiller, hein, subhanallah, et elle lit le message, et en lisant, subhanallah, le message, alors qu'elle vient de se réveiller, elle est bouche bée. Elle est stupéfaite, puisqu'elle dit, « Inni ulqiya ilayya kitabun karim. » Il m'est parvenu un livre noble. Et elle va être, subhanallah, émerveillée par rapport à Bismillahir Rahmanir Rahim. Le cœur commence à se réveiller. Et nous aussi, hein, subhanallah, on doit prendre exemple, hein, par rapport à Bismillahir Rahmanir Rahim. Quand on va le prononcer dans le salat, ça doit nous faire quelque chose. Bismillahir Rahmanir Rahim, avec le nom d'Allah et pas le soleil et pas une autre adoration et pas une pensée négative. Vous savez, le waswas, parfois, subhanallah, on va être on va avoir des petites flèches comme ça pendant salat, la marmite, le téléphone qu'on n'a pas mis en silencieux mais en vibreur, on a entendu la sonnerie, les enfants, nanana, il y a plein de choses. Il faut vraiment se mettre en condition pour vivre le nom d'Allah, pour vivre la miséricorde d'Allah, pour que ça nous impacte, comme cette reine, subhanallah, qui a été impactée par les termes de cette basmala. Innahu bismillahir rahman ar-rahim, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Elle basmala signifie avec le pouvoir d'Allah. Elle a ressenti la force d'Allah, qui est une reine, hein, subhanallah, elle avait une certaine force, un certain pouvoir, puisque c'était elle qui menait le peuple. Avec aussi la bénédiction de ce nom, puisque ça l'a émerveillée, et avec la grandeur d'Allah. Elle ressent cette grandeur, elle ressent quelque chose dans son cœur, et elle va se précipiter vers ses hommes, et elle leur dit, il m'est arrivé quelque chose, regardez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le nom d'Allah? Qu'est-ce qu'on fait avec ce message? Donc, ses conseillers, ses hommes lui disent, écoute, c'est à toi de voir. Donc elle va envoyer, inch'Allah, des cadeaux. Regardez l'art d'une reine, la beauté d'une reine, le comportement d'une reine. Elle ne choisit pas la guerre, elle ne répond pas à ce message, puisqu'il est fort quand même le message de Sulayman. « Allah ta'alu alayhi !» Donc, ne désobéissez pas à mon ordre. Aujourd'hui, un président qui envoie ce message à un autre, sachez que les avions de chasse sont prêts à décoller. Sachez que l'armée se prépare. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit, subhanallah, la douceur, la sagesse. Elle choisit un comportement juste. C'est-à-dire qu'elle va envoyer avec ses hommes des cadeaux et elle veut en échange, en attente, en retour, voir quelle sera la réaction de Sulayman. Et elle va leur demander de voir comment est le royaume de Sulayman. Ils vont y trouver la fraternité. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma foi doit commencer avec Bismillah, avec le nom d'Allah, avec la Rahma d'Allah. Et on doit être une communauté de Rahma, et non pas une communauté qui juge l'autre. Mais une communauté justement qui fixe le zoom sur soi. Le focus, il doit être uniquement sur soi. Chacun doit balayer devant sa porte. Chacun doit se dire, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation arrive à ce point ?
C'est cette phrase, cette question qu'on doit se répéter. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour qu'on en arrive là, dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants, dans la communauté? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce que j'ai fait moi dans cette épreuve du corona pour qu'on en arrive là? Là, c'est à l'échelle intercommunautaire, là, c'est à l'échelle internationale. Mais Allah Azzawajal nous dit, chacun va comparaître seul. Et chacun aura son propre livre. Et chacun va témoigner, le corps va témoigner. À nous de préparer l'au-delà, à nous de faire de cette épreuve, justement, un tremplin vers demain et vers l'au-delà. Donc, ce verset de l'Basmala, ce verset dans Sourate An-Naml, dans le verset 30, il faut le méditer. Innahu bismillah, inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulayman wa innahu bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Donc, quand je rentre dans Salat, ça doit me faire quelque chose. Et vous savez qu'à la fin de l'histoire avec Belqis, elle dit quoi ? Inni aslamtu ma'a Sulayman. Si on médite bien, si Bismillahir Rahmanir Rahim est ancré en nous, il est ancré dans notre cœur, que toute chose est régie et gérée par la Rahma d'Allah. Si moi je ressens ça, je le vis, je le manifeste, eh bien je deviens aussi comme cette reine qui se soumet Inni aslamtu ma'a Sulayman. Lillahi Rabbil Alamin, dans toute la salat, je serai soumis et soumise. Et c'est ce à quoi on inspire, à être humble, à sentir que, subhanallah, cette prière est une rahma. C'est une lumière, c'est une soumission. Mon cœur doit être une rahma pour moi, c'est-à-dire il doit être humble. On doit être dans l'ihsan, dans cette prière, quand on va réciter surat al-Fatiha, je me mets en condition. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le dire mot par mot. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça sera inshallah notre dars de samedi parce que demain c'est vendredi. Innahu wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Ressentir la rahma, avoir de la rahma pour soi, se retrouver soi-même, c'est aussi ça la rahma, et puis de se dire subhanallah que si moi j'arrive à me soumettre, à être humble vis-à-vis de mon Seigneur subhanallah, eh bien je vais être une lumière, je vais diffuser autour de moi la lumière, parce que le prophète sallam a dit as-salatu nur, on y reviendra inshallah demain dans alhamdulillah, dans un hadith, et subhanallah si moi je suis une lumière, on est tous une lumière, on devient nur ala nur, et là la lumière c'est une force, regardez subhanallah la force du soleil qui éclaire, qui réchauffe, qui apaise, qui nous guide, subhanallah, parce qu'on y voit plus clair quand on avance, il n'y a pas l'obscurité de la nuit. Donc, dans ces quelques versets, subhanallah, cette reine nous dit que chacun peut être roi de sa salat et peut être reine de sa salat. Ça, c'est magnifique, subhanallah, et c'est ce à quoi chacun doit tendre. Sulayman alayhi salatu wassalam, c'est le symbole de la force. La reine aussi, c'est le symbole de la force. Mais il n'y a de force que la force d'Allah. La lumière est une force, la communauté est une force, l'épreuve est une force, subhanallah. Souvenez-vous bien de ça, l'épreuve est une force. C'est à nous de décider d'accepter l'épreuve, comme on avait dit. Soit on accepte, soit on se détourne de l'épreuve, on se détourne d'Allah. La prière aussi est une épreuve, c'est un test. On se prépare pour le test et on essaie d'avoir la plus belle note, la meilleure note dans cette vie. Alors voilà, c'est vrai que ce sont des efforts au quotidien. On se doit, on va s'entraîner tout doucement. Inch'Allah, on va méditer sur le Al-Fatiha. Vous allez voir, Inch'Allah, ça va être une force dans votre salat. Symbole de la royauté, symbole de la puissance, symbole de la justice, symbole de la fraternité. Chacun doit être roi et reine et doit être aussi un symbole pour lui-même de justice, de force. La prière doit être une force au quotidien pour nous et non pas une routine ou quelque chose qu'on nous impose où on sent que voilà, je m'en débarrasse et je pars. Non. Quand je rentre dans ma prière, je suis roi et je suis reine, je dois maîtriser, je dois être comme Sulayman. Je suis ferme avec moi-même, d'accord ? J'obéis à mon Seigneur et je me soumets à mon Seigneur comme il se doit.
Alors, avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, avec la force d'Allah, avec la force de sa majesté, on va vers lui, auprès de lui, avec sa force uniquement. Eh bien, soyons des leaders, comme ce roi, comme cette reine. Cette reine, Belqis, va amener tout son peuple à la soumission d'Allah, puisque tout le peuple, subhanallah, va se soumettre. Ils étaient soumis à elle, hein, déjà, ils lui obéissaient. Et puis, le fait qu'elle-même se soumette, tout le monde s'est soumis. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je fais de Sourate al-Fatiha une force, si je la maîtrise, si je comprends Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si je fais de ma salat une force aussi, si je suis ferme avec moi-même, si je suis juste avec moi-même, je deviens aussi une force pour les autres, je deviens un modèle pour les autres. Mon épouse ou mon époux va me suivre. Mes enfants, Inch'Allah, ils vont me suivre. Ça, c'est par la grâce d'Allah, par la force d'Allah. Ce n'est pas par ma force à moi, mais c'est uniquement par la force d'Allah. Soyez une lumière pour les autres, soyez une lumière également pour vous-même, soyez juste. La foi, ça se savoure, on n'impose pas la foi. On savoure la foi, et une fois qu'on est dans la foi, dans la crainte, on est dans les paroles justes, dans un comportement juste, on attire l'autre vers Allah Azzawajal et vers ce qui est meilleur. Donc soyons, subhanallah, des leaders, des chefs, chefs de famille, des bons chefs de famille. Chacun doit, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyatih. » Kullukum ra'in, vous êtes tous et toutes des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau, de votre famille. Chacun est responsable de ses actes, chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Ce n'est pas l'autre qui m'a énervé, c'est moi je me suis énervé. Ce n'est pas l'autre qui m'a poussé à tel mauvais comportement ou à tel péché, je me suis jeté et précipité vers telle erreur et tel péché. D'accord ? Donc, poser les bonnes questions. Les questions justes. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour que la situation se passe comme ça ? D'être juste aussi envers la communauté. De se dire, je dois me réformer. Je dois être une force. On ne peut pas, ce n'est pas vrai. Aller à la mosquée à chaque fois. Que ça soit chacun pour soi, entre l'autre qui répond au téléphone dans la prière, pendant la khutba, entre l'autre qui n'a pas mis son téléphone en silencieux quand il rentre dans la mosquée, subhanallah, il y a des imams qui crisent. Il y a des imams qui crisent. Comment se fait-il que votre téléphone n'est pas en silencieux? Vous ne l'éteignez pas. Pendant salat, on entend des sons de musique. Pendant salat, on entend des sonneries. On se doit de se soucier de l'autre. Il faut qu'il y ait la rahma. On l'oublie, ça peut arriver. Mais quand c'est quotidien, c'est exaspérant. Donc, « al-masjid, al-jama' yajma' » La mosquée, elle réunit, elle rassemble. Comme ce live, subhanallah, qui réunit, qui rassemble pour s'unir pour Allah Azzawajal. Donc, vous avez vu que dans l'histoire de Belqis et de Sulayman, ils se sont réunis, d'accord, pour s'unir, pour être une force, au nom d'Allah. Avec le nom d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois réformer ma pensée. Je dois réformer mon intention à chaque fois. Je me dis, je suis musulman, je suis musulmane, on patiente, on a confiance en Allah. Mais est-ce que ça reste que des paroles ou est-ce qu'on le vit réellement? Est-ce qu'on connaît véritablement Allah Azzawajal? J'ai vu à travers vos questions, à travers aussi vos témoignages, pour ceux qui m'ont raconté un petit peu leur épreuve, subhanallah, s'il vous plaît. Faites un effort de connaître Allah Azzawajal. Wallah, il mérite d'être connu, il mérite d'être admiré, d'être aimé, de se soumettre à lui. Vous avez dans ma chaîne YouTube Samah bint Abdel Azim, S-A-M-A-H, plus loin bint, B-I-N-T, plus loin Abdel Azim, donc tout attaché, vous avez les 99 noms, je les ai finis par la grâce d'Allah il n'y a pas longtemps, en 60 parties. On se doit. Par exemple, si je suis dans la pauvreté, je suis Abdel Ghani. Je suis le serviteur de celui. Et subhanallah, il est magnifique ce nom. Je préfère que vous le découvriez. Il y a des choses, on pensait que, mais c'est un autre sens. Je suis Abdel Ghani. Si je recherche la paix intérieure, je suis Abdel Salam. Si je suis dans l'insécurité, dans la détresse, là, comme en ce moment l'anxiété, je suis Abdel Mu'min. Le mu'min, c'est celui aussi qui apporte la sécurité.
Donc si j'ai peur pour mes biens, pour mes enfants, je suis Abdul Hafiz, celui qui protège. Si je suis je suis tout seul et j'ai besoin de ma communauté, je suis Abdul Jama. Ya Allah, mets-moi quelqu'un ou montre-moi une mosquée ou un institut où je pourrais me rapprocher de la communauté. Wallah, chaque nom, une situation, mais c'est à nous de connaître Allah. S'il vous plaît, allez à la connaissance d'Allah. On a été créé pour l'adorer, mais aussi pour le connaître. Regardez, subhanallah, Ar-Rahman, la sourate Ar-Rahman, allama al-Qur'an. La science est venue avant même la création de l'être humain. On se doit, chacun, de connaître Allah, azza wa jal. On peut le connaître à travers le Qur'an, on peut le connaître à travers la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. On peut le connaître aussi à travers les histoires des compagnons, les histoires des prophètes et des messagers. Allons à la connaissance d'Allah, c'est ce qui va nous apaiser. Mieux on connaît quelqu'un, et plus on est en confiance et plus on a envie de partager avec lui, de l'apprécier, d'être à son service. Subhanallah, il y avait aussi Al-Basmala, et j'aimerais y revenir aussi dans Surat Hud, le verset 41, où Allah Azza wa Jal mentionne le déluge de Nuh, alayhi salatu wassalam, et Allah va dire concernant le petit peuple que Nuh a emmené avec lui dans le bateau. Allah nous dit « Bismillahi majriha wa mursiha » dans le verset 41 de Sourate Hud, qui signifie « Il naviguera sur l'eau et s'arrêtera avec le nom d'Allah. » Avec le nom d'Allah, le bateau naviguera sur l'eau et avec le nom d'Allah, ce bateau s'arrêtera. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans ma vie, je dois vivre avec le nom d'Allah. Bismillah, walillah il asma ul husna, et Allah appartient les noms excellents, les noms parfaits, les noms magnifiques. À nous d'être magnifiques et d'aller vers le magnifique. On se doit de faire l'effort, mashallah, savourer ces noms. Subhanallah, Allah nous dit quoi dans ce verset? Si on revient dans l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam, qui a prêché pendant 950 ans, imaginez, 10 siècles. Vous parlez, nuit et jour, vous parlez, vous invitez les gens, et puis seul à peu près, on dit les savants, 80 personnes, on rejoint Nuh alayhi salatu wassalam. Inni da'autuhum laylan wa nahara. Allah nous dit en parlant de Nuh, je les ai invités jour et nuit. Walam yazidhum du'a'i illa firara. Et à chaque fois que je leur parlais et je les invitais, ils fuyaient. Ça les repoussait encore plus. Imaginez, subhanallah, un prophète. Imaginez, vous parlez déjà rien qu'avec les enfants, les conjoints, les parents, etc. Déjà, quand on commence à répéter, ça commence un peu à nous agacer. 950 ans. Donc, les gens n'ont pas accepté. Les gens se sont détournés. Les gens ont pris la fuite. Nuh, alayhi salatu wassalam, a fait preuve de patience. C'était un homme qui pleurait. C'était un homme doux. Mais c'était un homme qui craignait Allah. C'était un homme qui remerciait Allah. Alhamdoulilah. On y reviendra, inshallah, demain. Bismillah. Allah nous dit, même si tu es éprouvé et tu as la plus grande des épreuves. Mais Nuh faisait partie aussi des prophètes déterminés. Oulul azmi min ar-rusul, déterminé, et c'est ce qui nous manque dans la vie de tous les jours, d'être déterminé. Quand vous écoutez ces lives, quand vous réécouterez inchallah ces lives, soyez déterminé, mettez l'intention d'être déterminé. On n'est pas là que pour le confinement. C'est vrai qu'on est confiné, mais la foi doit être confinée aussi et elle doit briller à long terme. Bismillah majriha wa mursaha. Allah nous dit, tu as été éprouvé? Allez, monte dans le bateau au nom d'Allah, le bateau de la découverte d'Allah, le bateau de la rahma d'Allah, le bateau de la connaissance d'Allah, le bateau de la force d'Allah, parce qu'Allah va faire descendre la pluie des cieux, il va la faire sortir de terre, parce que subhanallah, c'est son peuple s'était moqué de lui. Nuh, d'où tu vas? Tu construis un bateau, puisque ça a été l'ordre d'Allah de construire le bateau, mais ils se sont moqués de lui, mais il va naviguer comment ton bateau, il n'y a pas d'eau? C'était un endroit où il n'y avait pas d'eau. Allah Azza wa Jal est capable de toute chose si vous êtes déterminé. Donc Allah nous dit, elle naviguera sur l'eau avec le nom d'Allah. Donc navigue dans ta vie avec le nom d'Allah, avec la connaissance d'Allah, avec l'amour d'Allah, avec l'admiration vis-à-vis d'Allah. Et ta vie s'arrêtera, puisqu'Allah a dit, wa mursaha, et au nom d'Allah, avec le nom d'Allah,
le navire s'arrêtera. Et j'espère qu'à ce moment-là, on aura la plus belle note finale à la fin de ce test. Lorsqu'Allah va reprendre notre âme, nous aurons une note finale. À nous de choisir la note finale. Mourir en sujoud, mourir avec la lecture du Coran, mourir en faisant sadaqa, en ayant donné une sadaqa juste avant, mourir fil masjid à la mosquée, mourir au fajr, mourir dans une prière, mourir en sujoud, mourir subhanallah fi baytillah al-haram, à la Mecque, à Médine, en Palestine, mourir comment? Et c'est ça, subhanallah, ce à quoi on inspire. Préparer donc le grand voyage, le voyage de l'au-delà. Dans un voyage, on prend un sac de voyage et on y met le meilleur. On y met toujours des beaux vêtements pour le voyage, on y met une belle trousse, on y met, subhanallah, des beaux accessoires, on y met du shampoing tout neuf, on y met du dentifrice tout neuf, une brosse à dents toute neuve, subhanallah, et on essaye de mettre le meilleur dans un sac de voyage. Eh bien, tous les jours, c'est ce qu'on doit aspirer. Donner et recevoir le meilleur. Donner le meilleur, quand je parle, je suis juste. Quand j'agis, je suis juste. J'essaye d'être bon envers moi-même et d'être bon envers les autres. Et surtout, de renouer avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas, on a fait salat ala nabi, on a vu ensemble la valeur de la rahma qu'était le prophète, alayhi salatu wassalam. En faisant salat ala nabi, on débloque les situations, on se rapproche d'Allah puisqu'on est élevé en degré, on efface nos péchés, on a des hasanettes et puis tout doucement le compteur continue et tourne. Et n'oubliez pas as-sadaqa al-jariyah par rapport à vos parents, par rapport à vos proches, par rapport à vous-même, subhanallah, n'oubliez pas sadaqa jariyah, les petits compteurs, j'appelle ça les compteurs éternels. C'est-à-dire que même la personne, quand elle décède, son compteur tourne encore. Donc prévoyons et soyons prévoyants par rapport à l'héritage qu'on peut se laisser, se léguer soi-même, au lieu de chercher l'héritage des parents. Et parfois, il y a des situations très conflictuelles dans les familles. Soyons nos propres légataires donc de notre propre âme, en laissant un bel héritage après, et puis aussi l'héritage qu'on pourra découvrir dans les cieux, puisque le plus beau cadeau, c'est la rencontre d'Allah. Et j'espère qu'on méritera tous la rencontre d'Allah Azza wa Jal, qu'on pourra le voir dans l'au-delà. Alors j'ai encore une fois une grande pensée, une belle pensée à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui, subhanallah, sont confinés, tous ceux qui sont seuls, peut-être hospitalisés à l'hôpital, ou qui ont des proches décédés de cette épreuve, subhanallah. Allahumma arhamhum, Allahumma afihim, Allahumma nawwir qabrahum, Allahumma arzuqhum al-firdaws al-a'la, Allahumma afina, Allahumma tub alayna, Allahumma arhamna, Allahumma zidna wa la tunqisna, Allahumma ij'alna quwwatan lil-islam, Allahumma ya arhamar rahimin, تحب العفو فاعف عنا يا عفو إنك تحب العفو فاعف عنا يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين